بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers élèves, toujours dans la leçon des suites numériques, aujourd'hui on va voir la monotonie d'une suite. Alors, pour démontrer qu'une suite est monotone, croissante ou moins d'une croissance, on calcule un plus 1 moins un. Généralement, on calcule un plus 1 moins un. Si un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0, alors la suite un est croissante. Et si un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, alors la suite un et décroissante. Donc je répète, pour étudier la monotonie d'une suite, il suffit de calculer un plus 1 moins un et définir son signe, déterminer le signe de un plus 1 moins un. Quelquefois, entre parenthèses, quelquefois, on calcule un plus 1 sur un si un est positif ou négatif, c'est-à-dire s'il a le même signe. Alors là, on peut calculer, mais c'est mieux, toujours c'est un plus 1 moins un sur un, c'est général. On va voir l'exercice pour appliquer et chercher la monotonie d'une suite. Soit un, la suite définie par un égale moins n sur n plus 2. On va déterminer la monotonie de la suite un, mais avant ça, on va calculer un plus 1 moins un. Vous avez un égale moins n sur n plus 2. Pour un plus 1, comme on l'a déjà vu, il est égal à, je remplace à chaque fois n par n plus 1. N plus 1. Donc on a moins n plus 1, le tout sur n plus 1 plus 2, qui est égal moins n plus 1, le tout sur n plus 3. Voilà, je calcule maintenant un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un est égal moins facteur de n plus 1, le tout sur n plus 3, moins un, moins avec moins, ça devient plus, donc c'est plus. Moins de la soustraction et moins, vous avez donc l'expression de la suite un. Ça devient plus. N sur n plus 2. Je vais réduire en même dénominateur et j'obtiens. Est égal. Moins n plus 1 facteur de n plus 2. Plus n facteur de n plus 3. Le tout sur n plus 3 facteur de n plus 2. On simplifie et on développe. Moins n fois n, c'est moins n au carré. Moins n fois 2, c'est moins 2n. Moins 1 fois n, c'est moins n. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Plus n fois n, c'est n au carré. Plus n fois 3, c'est 3n. Le tout sur n plus 3, facteur de n plus 2. Vous avez ici n au carré moins n au carré. Vous avez 3n moins n moins 2n, c'est 0 aussi. Résultat donc, un plus 1 moins un est égal à moins 2. Le tout sur n plus 3, facteur de n plus 2. N'oublie pas que n est un nombre entier sur n, si pour tout n appartient à n, on a n plus 3 facteur de n plus 2 est toujours supérieur à 0, donc moins 2 le tout sur n plus 3 facteur de n plus 2 est inférieur à 0. Parce que vous avez le signe du numérateur et du dénominateur sont différents. Les signes, là c'est négatif, là c'est positif. Donc,
UN plus 1 moins UN est inférieur à 0. Puisqu'on a UN plus 1 moins UN inférieur à 0, conclusion, la suite. UN est décroissance. Quel que soit n appartient à n, la suite UN est décroissance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.